Yop les potes, c'est Flo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo donc tuto comment apprendre à faire des montages sur Share Factory. Donc voilà, c'est un logiciel sur PS4, je précise, pas sur PC ni sur d'autres plateformes. Donc là, PS4, voilà, comment vous apprendre à faire des montages, donc c'est ça, c'est simple. Assez simple quand même, au début ouais, c'était perdu, et puis après au fil du temps je me suis adapté. Au début j'ai fait de la merde hein, c'est normal. Je vais vous apprendre donc, tout simplement j'avais fait un petit gameplay à la vidéo que j'ai mis en ligne, donc on va prendre cette vidéo. Nouveau projet, vous savez quoi, nouveau projet, on va pas se faire chier, on va prendre vous allez voir si vous avez le logiciel. Alors thème football, thème donc voilà, les thèmes Share Factory en tout cas. Donc on va prendre un thème tout simple hein, on va pas voilà. Donc là on va prendre un game vidéo hein, dans cette vidéo que j'ai fait. Donc on va prendre par exemple on va prendre celle-ci voilà. Donc renommer c'est pour changer le titre hein, voilà. Donc continuer. Donc là vous avez votre début de vidéo. Début de vidéo, donc voilà, donc là ça passe à mon pseudo PlayStation 4 machin, donc là ça passe à la vidéo. Donc si vous voulez par exemple pour commencer alors d'une croix c'est pour ajouter, voilà, croix c'est ajouter et carré c'est modifier, donc scinder, couper, déplacer et supprimer, voilà. Donc si vous voulez par exemple mettre du texte, donc tout simplement le texte il est là, donc alors ajouter superposition, donc là non c'est que alors ajouter superposition, donc vous cliquez dessus, vous allez sur texte, donc au texte vous choisissez votre police hein. Donc là vous prenez par exemple, je sais pas moi, je prends Minecraft un peu, je vais mettre bonjour tout simplement, donc bonjour, donc bonjour, ok, donc là il y a bonjour, donc là on va choisir la durée du temps où ça va être affiché, donc on va le mettre à ouais à 2, donc là voilà, donc là on a mis, donc là on va le modifier, on va le déplacer en fait. Donc pour tout simplement le mettre en plus petit, vous allez faire L1, donc là bonjour par exemple, voilà, bonjour vous allez le mettre là, ok. Donc si vous voulez par exemple le mettre en couleur ou l'animer, donc animation texte, vous faites ça, donc il y a chapiteau, arc-en-ciel, rebond, dérive, voilà, pulsation, donc voilà, donc il y en a plein, donc par exemple moi, je vais mettre je sais pas, vraiment je sais pas. On va mettre pulsation. Voilà. Donc, après ça, effet textuel. Donc là, vous pouvez le changer. Mettre en gris. Donc là, tout simplement, vous avez votre bonjour en bas à gauche. Donc, on reprend. Voyez le bonjour qui s'affiche. Donc ça. Après, si vous voulez couper le son de votre vidéo, qui peut se comprendre. Alors, vous allez sur cette partie vidéo. Vous faites, si je me trompe pas, volume du clip, donc carré. Et vous faites dessus et vous, voilà, jusqu'à 0%. Non, vous allez voir que il n'y aura plus de son. Alors ça dépend. Ça dépend encore une fois. Moi je l'ai fait pour la musique, baisser la musique. Et j'avais laissé le son. Comme ça fait plus joli. Et puis voilà. Donc après, donc ça serait pour. Donc là on va remettre le son. Je vais le mettre à. Ouais. Allez à 80. Ouais, 90. Donc là. Donc là. Yop la famille, c'est Flo. Voilà, vous m'entendez parler. Donc. Là, on va apprendre donc à couper la vidéo. Pour couper une vidéo, c'est
faut s'adapter en tout cas. Donc, par exemple, vous voulez couper à partir d'ici. Excusez-moi, c'est mon chien, il dort. Il fait des trucs bizarres. Faut pas s'inquiéter. Donc là, vous voulez couper à partir de là. Vous voulez couper à partir de là, par exemple. Donc vous allez faire carré. Vous allez faire sein des clips. Tu te calmes. Donc faites croix. Hey, mais tu te calmes là ou quoi? Excusez-moi. Donc faites sein des clips. Et vous allez par exemple le couper à partir de... De là. Voilà. Là, sein des... Voilà. Et donc cette partie-là, vous l'avez coupé. Voilà. Donc, après ça, vous pouvez tout simplement le mettre en accéléré. Donc, time. Mettre ça, c'est accéléré. Et ça, c'est lent. Donc, en accéléré, par exemple, ça donne ça. Pour une nouvelle vidéo sur The Division. Donc, ouais, The Division. Voilà. Par exemple, voilà, ça. Après, pour le mettre en ralenti, bon, vous savez ce que ça donne. Hein. J'ai pas envie de vous faire... C'est la première fois que je fais une vidéo sur ce jeu. Pour vous dire voilà. Donc si vous voulez pas entendre la voix, tout simplement, bah vous baissez le volume du clip. Tout simplement. Donc on va baisser le volume du clip. Donc, ce qui donne ça. Mais on peut mettre une musique de fond. Donc après je vais vous montrer comment on met une musique de fond. Ouais, The Division. Donc là on m'entend plus, mais si je mets de la musique de fond, ça sera mieux. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait dans... C'est ce que je fais maintenant dans toutes mes vidéos. Je mets une musique de fond. C'est plus joli tout ça. Donc tout simplement c'est plus joli, et puis même... puis voilà. Tout simplement, il n'y a pas de... Donc ça, donc j'ai coupé. Donc... Donc il y a ça. On peut aussi ajouter un filtre. Donc les filtres, vous faites carré toujours. Croix, je veux dire, ajouter filtre. Donc ajouter le filtre, vous pouvez ajouter le filtre que vous voulez, n'importe lequel, par exemple celui-là. Et voilà, il n'y a pas de... Il y a pas de famille, c'est Flo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division. Donc voilà. Donc ouais. Donc ça c'est pas voilà. Je vais mettre par exemple celui-là, je vais le mettre en rouge. Je recommence. En rouge. Voilà, par exemple c'est voilà, c'est des petits trucs comme ça, ça donne assez d'effet. Si par exemple vous voulez vous êtes en pleine action et vous voulez tout simplement mettre un effet rouge, ça peut être pas mal. En tout cas voilà. Donc les effets, tout ça, les effets. Donc après ça, il y a un bug là. Regardez. Attendez. Bref, on s'en fout. Donc après, si vous voulez tout simplement changer votre image, changer par exemple votre vidéo, vous voulez la mettre à droite ou à gauche, donc il y a par exemple, il y a ajouter disposition, donc cliquez dessus, je répète, hein, croix, oui c'est ça, voilà, croix, donc ajouter disposition, et vous allez tout simplement, je sais pas, alors là, vous savez, moi j'utilise pas vraiment ça, si pour Rainbow j'avais utilisé le flou. Par contre celui-là, voilà, vous l'ajoutez. Et franchement bah il est bien. Voilà, donc vous mettez ça si vous voulez. Ou ça, vraiment le. En haut à gauche, ça peut être pas mal aussi. Ce jeu. Et bref, voilà, c'est des petites. Petites options, des petites. Voilà. Et si vous voulez enlever ça, donc tout simplement, enfin, si vous voulez mettre un passage, donc l'image, la vidéo en haut à gauche, vous tout simplement vous scindez. Scindez donc tout simplement. Vous scindez. Chaque fois, moi, je suis perdu sur ça. Donc, vous scindez. Donc là, après, normalement, ouais, ça redevient normal. Hein. Donc voilà. Donc après, on va passer pour les transitions, si je me trompe pas. Les transitions qui sont ajouter transition. Donc les transitions, c'est ce qui coupe un peu la vidéo, en fait. C'est ce qui coupe la vidéo. Voilà. Si vous pouvez mettre, je vais mettre celui-là. Donc ça, c'est voilà. C'est en plus, c'est un petit plus, mais voilà, il faut quand même l'utiliser, c'est bien, ça fait plus joli dans la vidéo. Puis voilà, donc c'est sûr que par exemple, si je mets pas de transition, ça donne ça. Regardez. Ce jeu. Ouais, ça fait pas joli en vrai, ça fait pas joli. Donc, ouais, The Division.
Ouais, ça fait pas joli que ça, regardez là, avec la transition. Assez compliqué pour les douches, je me perds un peu pour les voilà, douches. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, si vous mettez deux transitions, vous faites, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on va maintenant gérer les musiques. Musique qui est assez simple, c'est assez simple de gérer la musique. Par contre, le problème, de toute façon, vous allez voir tout ça tout de suite. Donc, je vais ajouter de la musique, voilà, ajouter musique, je crois toujours. Il n'y a que ça en musique. C'est des musiques basiques que nous donne Share Factory. Parce que voilà, c'est pas incroyable. Il n'est pas incroyable vraiment. Celle-ci, il y en a. Après, importée depuis USB. Donc ça, c'est. Voilà. Je voudrais bien. Parce que voyez, il y a des musiques pas mal. En fait, c'est, vous voyez, c'est des musiques qui sont. Il n'y a pas de droit d'auteur sur les musiques. Donc si vous voulez, c'est des musiques qui sont. Voilà, qui sont comme ça. Donc importer, on peut en importer si on veut, voilà. Donc alphabétique. Ah oui, ok, ouais. Ok, ouais, non mais ok. Donc par exemple, la petite musique, je sais pas. Celle-ci par exemple. Celle-ci, on prend celle-ci. Donc on va. Donc ça va être pendant tout le clip, il y aura de la musique. Voilà. Tout simplement. Donc si vous voulez. Simplement baisser le son de le volume de la musique, vous allez sur je recommence, je fais carré volume musique et vous baissez par exemple vous le baissez 20%. Voilà, par exemple voilà. Si par exemple vous voulez couper la musique, ce qui arrive hein. ce qu'on a envie de faire en vidéo. Donc c'est de couper de musique. Vous coupez la musique à partir de là. Donc vous faites scinder la musique, croix, confirmer. Là donc là il y a un petit trait qui va prouver que ça a bien scindé. Donc là vous supprimez, simplement supprimez la musique. Voilà. Supprimez musique et vous allez tout simplement regarder. Donc vous allez faire carré. Il y a fermeture. En fondu et ouverture. Donc la fermeture en fait, si vous voulez, c'est pour que ça soit plus joli la fin de musique. Donc par exemple, regardez. Je me perds un peu sans fondu. Mais bon, sans plus, vraiment sans plus. Donc là les gars, tout simplement, on est en pleine mission. J'ai lancé la vidéo en pleine mission. Voilà, oui. Donc si on met une fondue, ça donne ça. Ça donne ça. Donc là les gars, tout simplement, on est en pleine mission. Lancé la vidéo en pleine mission. Oui, mais ça fait plus joli. Ça fait vraiment plus joli. Puis même sans ça, bon, voilà, c'est important de savoir ça. Là, on est en pleine mission. J'ai lancé la vidéo en pleine mission. Attendez, on sait ce qu'on va faire. On va en mettre ça. Donc là, les gars, tout simplement, on est en pleine mission. J'ai lancé la vidéo en pleine. Voilà, c'est plus fluide. Plus fluide. Ouais, je vais arriver à parler. C'est pas grave. Donc, une ouverture, ça peut être la même chose. Hein. Ouverture, c'est ça. Ouverture. Et là. Perte pour les couches. Mais bon. Attendez. Assez compliqué pour les couches. Je me perds un peu pour les couches. Vous voyez, ça monte et puis après ça descend. Donc là, les gars, tout simplement, on est en pleine mission. J'ai lancé la vidéo en plus. Voilà. Donc voilà la petite différence, hein, si vous voulez. Donc après ça, donc on a fait donc les filtres, le texte, et puis puis la musique. Maintenant, on va voir pour tout simplement ajouter piste 2. Donc, c'est ce que j'avais fait dans la vidéo Rainbow, il y a les kills. Donc, tout simplement, la vidéo Rainbow, je parlais en fond. Donc, c'est tout simple, vraiment tout simple, vous commencez en début de vidéo. Début de vidéo. Et vous, donc, vous ajoutez piste 2. Et à partir de là, donc vous allez appuyer sur croix. Et tout simplement, ça va vous enregistrer. La cam, je l'ai laissée, elle est pas sur moi, parce que bon voilà. Mais on peut être par cam aussi, ça peut être pas mal en tout cas. C'est mieux, voilà, tout simplement. Donc là par exemple, je sais pas ce que je veux dire personnellement. Je vais dire bonjour, voilà, je m'appelle Flo, ceci, cela, je vais vous présenter une vidéo, donc voilà. Donc, on va couper de toute façon le son des clips, parce que bon, c'est pas... ouf non plus. Voilà, on va couper le son des clips.
Alors à chaque si on scinde des morceaux de vidéo, faut toujours couper. Voilà, c'est ou appliquer à tous, mais ça fonctionne pas trop. J'essaie de le faire, mais bon, ça ne fonctionne pas. Donc bon. Donc par exemple, voilà. Donc, ça à chaque fois, je suis perdu. Donc là, on a baissé le volume de musique partout. Donc là, je vais mettre donc ajouter piste 2 qui est là. Donc à partir de là, il va y avoir un décompte. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir. Donc audio seul. Donc c'est parti. Donc le décompte. Yop les gars, c'est Flo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc The Division. Je vais vous montrer quelques kills que j'ai fait sur ce jeu en pleine guerre. Donc voilà, le premier kill, le deuxième. Donc là après, je me suis mis à couvert. J'ai changé de filtre. Je suis monté sur le camion. Et après, j'ai encore tué et tué et tué. Donc voilà. Oui, lui, je l'ai tué. Donc voilà. Le petit truc, c'est que ça commente. C'est voilà. Tu peux commenter ta propre vidéo. Ce qui peut être pas mal aussi. Avec la caméra, de toute façon, juste à droite. Donc je vous mets le petit moment où je parle. C'est parti. Yop les gars, c'est Flo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc The Division. Je vais vous montrer quelques kills que j'ai fait sur ce jeu en pleine guerre. Donc voilà, le premier kill, le deuxième. Donc là après, je me suis mis à couvert. J'ai changé de filtre. Je suis monté sur le camion. Et après, j'ai encore tué et tué et tué. Oui, lui je l'ai tué donc. Donc voilà les gars. C'est assez. C'est vrai que pour la personne qui sait pas utiliser ce logiciel, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses des fois qui nous. Attends, c'est bizarre quoi. Donc dupliquer le clip, bon, c'est qu'on le met par deux. Donc on remet le même clip mais par deux. Donc panoramique. Et zoom, c'est tout simplement le zoom par exemple. Si vous faire un zoom sur les munitions, voilà les munitions, on fait un zoom comme ça. Et vous allez voir dans la vidéo que il va y avoir un zoom. J'ai changé de film. Voilà. Je suis monté sur le camion. Voilà, il y a eu un zoom, un petit zoom. Donc après ça, je vais vous montrer comment. Alors déjà, donc on va parler comme on avait fait en fond. On va parler. Après, je vous montrerai un truc pour faire vibrer la vidéo, la faire bouger. Donc, ajouter la piste. Donc voilà. Par exemple, on va recommencer. Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo la plus célèbre du monde, qui est faux. Hein. Donc voilà, par exemple, j'ai dit n'importe quoi. Salut tout le monde, on se retrouve. Voilà. La vidéo la plus célèbre. Voilà, c'est totalement faux. Hein. Donc ça, le morceau que j'ai enregistré ici là, plus la musique de fond qui donne assez bien. Regardez. Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo la plus célèbre du monde. Voilà, par exemple, voilà. Bon, voilà, ça c'est un petit des choses qu'il faut savoir, c'est un peu la base. Donc maintenant, parlons plus sérieusement. Donc là, faut que je trouve avec des kills. Si j'ai fait des kills, alors on va tout simplement changer le filtre. Parce que le filtre, c'est pas. On va le mettre en normal. En délavé. Saturé. Donc, bref, voilà. Donc, par exemple, vous avez fait un kill. Donc, ce kill là, vous allez tout simplement le scinder. Le scindé qui est là, donc scindé, je répète, croix pour tout ce qui est coupé de vidéo, carré, c'est carré, carré pour couper les vidéos, et croix, tout ce qui ajoute, donc je recommence, croix, tout ce qui ajoute, et carré, tout ce qui est modifié, donc scindé, donc quand on scinde, par exemple, voilà, ce moment, ce clip. Donc on va le scinder. On va scinder ça.
Attends, on va scinder d'autres choses. Voilà, on va scinder par exemple ça. Voilà, on va scinder ça. En fait, il faut pas que ça soit non plus trop... On va scinder ça. Et on va... Voilà. Donc là, on a scindé ce petit morceau de vidéo. Et à partir de là, vous pouvez faire carré et encore modifier superposition. Et à partir de là, effet caméra. Donc effet caméra, bon, c'est tout ce qui est, bon, si vous avez fait un kill qui était pas mal, vous pouvez faire un effet, par exemple le viseur. Voilà. Focus. Donc le focus, vous allez tout simplement le mettre. De toute façon, il n'y a que ça. Donc bon, voilà. Et quand vous allez tout simplement tirer, ça va faire un zoom. Regardez ce que ça va donner. Le deuxième. Voilà. Par exemple. Après, si vous voulez changer d'effet, toujours la même chose. On fait paramètres, on fait donc supprimer. Et vous recommencez par exemple le cœur. Le cœur. Le cœur qui. Bon, c'est pas. Je l'utilise un peu. Le deuxième. Voilà, le cœur. Et vous pouvez changer aussi le. Donc, paramètres caméra. Et l'intensité, donc mettre à 1. Le deuxième. Voilà, c'est plus fort. Donc après, si vous voulez changer, donc on supprime, on supprime, on supprime. Si vous voulez changer, par exemple FX, je sais pas ça, je sais pas ce que c'est. Soit c'est, ouais, c'est vraiment, t'as fait un truc. Le deuxième. Voilà, c'est ça vraiment. C'est par exemple, j'avais utilisé ça, cet effet pour une grenade. Une grenade tout simplement que je mettrai là tout à l'heure, voilà. Et puis voilà, j'avais, si voilà, chaque chose a son, putain, j'arrive pas à trouver les mots, chaque effet a son truc. Donc par exemple la pulsation, le deuxième, voilà, pulsation, voilà, c'est vraiment encore différent. On peut tout réunir, tous les effets, mais ça fait pas joli, quoi, on va pas se mentir, ça fait pas joli. Donc le deuxième. Voilà. Donc. Toute façon, je vais. Toute façon, voilà. Donc, je vais vous montrer le passage où j'ai tout simplement fait l'effet avec la grenade. Donc, on va accélérer. On va accélérer tout ça. Normalement, là, on n'en est pas loin. On est là, ouais, c'était là. Regardez. Ah, ça l'a pas pris. Ouais, mais c'est du. Bah, ouais, j'avais fait un petit ralenti. De toute façon, vous pouvez les voir sur la vidéo. J'ai fait un petit ralenti et j'ai tout simplement. Ça a fait une vibration. Qui était plutôt pas mal. Donc voilà. Là, ça a tout mis à sec parce que bon, la vidéo je l'ai postée et puis voilà. C'est juste pour, voilà, pour vous montrer comment utiliser ce logiciel. Donc on commence là, ceci, cela. Donc par exemple, là on reprend, voilà. Vous montrer qu'on peut, voilà, faire beaucoup de choses sur ce logiciel, même si il y en a qui disent que c'est de la merde. Bon, c'est pas non plus ouf, mais c'est quand même, c'est important parce qu'on peut quand même faire des montages. Et ils ont quand même pensé à nous, donc voilà. Donc, déplacer le clip, ça je sais pas. Oui, déplacer le clip, je m'en souviens. Alors. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour inverser le clip, ok. Par exemple, ça je le mets là. Voilà, donc ça va nous donner ça en fait. Salut, pour la vidéo. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bon. Ça c'est pas non plus. Voilà. Par exemple, ça, si je veux faire ça. Ok. Cliquer le clip, c'est déplacer le clip. Ok, ok. Alors, ça. Ok. D'accord. Tuer et tuer et tuer. Donc, ok, c'est pour déplacer, quoi. Oui, lui je l'ai tué donc. Voilà, ok, bon, c'est pas ouf. Donc, voilà. Donc, après, si vous voulez, par exemple, mettre. L'image là pour. Ça, c'est l'image que vous importez par le USB. Donc, ça,
c'est des petites flèches que vous pouvez ajouter par exemple quand je... Par exemple, je sais pas... Voilà, par exemple là. Là, ici, il y a un ennemi qui arrive. On va pouvoir mettre... ou stickers. C'est comme vous, les stickers ou thèmes. C'est strictement la même chose. Ah non. Bah non, non, c'est pas la même chose. Ça, c'est par rapport au... à l'avatar. Ouais, ok. Donc, par exemple, vous voulez mettre une flèche. Ce que je fais, bon, couramment, pour vous montrer des choses. Couramment, donc, là, voilà. Là. Voilà. Donc, ça. Voilà. On va faire modifier. On va cibler la cible sur l'ennemi. Voilà. Donc, jusqu'à temps, vraiment... Voyez par exemple là, et s'il n'y a plus l'ennemi, bon, vous enlevez la flèche, hein, ce qui est logique. Vous avez la flèche à partir de là. Voilà, attendez, j'enlève la flèche. Voilà. Donc là, ce que ça va donner, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre le son. On va mettre le son de la vidéo. Après voilà, ça demande, faut, c'est comme voilà, c'est comme un téléphone. Quand on sait pas s'en servir, il faut essayer de toucher, de voir. Mais c'est vrai qu'au début j'étais perdu. Et en vrai, j'avais une grosse. En vrai, je vous jure, hein, j'étais vraiment perdu. Donc ouais. Donc par exemple. La vidéo la plus célèbre du monde qui est hein. Donc là les gars, tout simplement, on va. Là on est en pleine mission. J'ai lancé la vidéo en pleine mission. Voilà, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Scinder, supprimer si vous voulez. Supprimer un passage, très important. Par exemple, ce passage-là. Donc, ce passage-là. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais plus de munitions. Donc là, j'étais la grue, machin. C'est pas vraiment une grue, mais c'est un fumigène. Ceci, cela, machin, ceci, ceci, ceci. Et là, je me suis rendu compte que j'avais plus trop de mines, regardez. Ouais, il t'a battu. Il y a pas un truc de ravitaillement aussi. Voilà. Donc, à la place... Voilà, donc j'ai cherché. Et... Ah, c'est bon, et bah écoutez, j'ai fait l'erreur. Parce que tout simplement, le ravitaillement, il y en avait un devant moi. Vous voyez le truc marron? Marron, juste marron clair. Là, ça, c'était un truc de ravitaillement. Et quand j'ai revu la vidéo, je fais oh, quel con! Quel con! Donc, voilà, j'ai fait l'erreur. Donc là, j'ai pas coupé parce que je voulais laisser. Donc là, si vous voulez couper ce passage, parce qu'il est un peu long, vous faites. Vous partez de là. Donc, vous faites scinder, carré. Scinder. On coupe. Et vous allez jusqu'à. La caisse qui est juste là, voilà. Alors ça vous le coupez parce que ça sert à rien, c'est le passage où je suis parti prendre des munitions. Donc vous coupez ce passage et là voilà, ça fait un petit accéléré, c'est sympatoche. Donc après voilà, si vous voulez mettre une transition entre les deux, moi ma transition préférée c'est attendez. Ouais, ma transition préférée c'est celle-ci. Fondue, c'est celle-ci, ma transition préférée. Voilà. Et donc celle-ci. Donc si vous voulez supprimer une transition, c'est la même chose. Hein. Faites carré. Attendez. Ah voilà, transition donc. Donc effacer la transition. Confirmer. Donc. Transition, c'est là, voilà, fondu vert, couleur, donc celle-ci, voilà, c'est celle-ci ma préférée, donc bah voilà, écoutez, bah, pour ma part, on a fait le tour, on a vraiment fait le tour, je regarde, je réfléchis, je réfléchis vraiment, mettre la musique c'est bon, ralenti c'est bon.
Après, je vous apprends ce que je sais. Hein, je... Faites gaffe, il y a un sniper. Ah, je sais ce que j'ai zappé. Par exemple, là, je tire. Là, je tire. Machin. Et là, je peux ajouter une capture. Une capture, c'est une photo que vous avez prise dans le jeu. Par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-ci. Prends celle-ci. Hop là. Bon, fin de la vidéo. Faites ça. Oh, bon, ça signifie rien du tout, mais bon. Donc, là, on va scinder ce passage. Alors, scinder. À partir de là, on va mettre une capture. Ajouter une capture. De celle-ci, voilà, j'avais pris celle-ci, donc c'est vraiment entre les deux. C'est bon, donc voilà, c'est un petit truc en plus, mais bon, j'utilise pas vraiment ça. Hein. Je sais que ma première vidéo j'avais utilisé ça, mais c'était pas vraiment ouf. Voilà, donc là, ajouter machin, bah, écoutez, je pense qu'on a fait tout. Image, non, effet, thème. Donc, pour vous répéter, de toute façon, si vous aimez ces vidéos-là, où je vous explique comment utiliser ça, comment utiliser ci, il n'y a pas de problème, dites-le moi en commentaire, soyez plus nombreux sur les vidéos, comme ça, moi, je peux savoir et comprendre. Voilà, j'ai Instagram et j'ai Snap, donc je pense que vous savez déjà mon Instagram et mon Snap. Donc voilà. Et puis, moi, je pense que j'ai vraiment fait le tour de les... Bah, écoutez... Attendez, je vais faire un truc, là. Par exemple, stickers. Voilà, vous mettez celui-là. Celui-là, vous le mettez en durée. Vous le mettez sur sa tête. Voilà. Voilà, vous mettez ça sur sa tête. Vous mettez ça sur sa tête. Voilà. À partir de là, normalement, ça lui fait une petite tête, mais bon, c'est pas ouf non plus. Vous pouvez utiliser ça pour tout. Bon, par exemple, là, il est mort. Là, il va mourir. Donc, faire scinder. Ok, on va faire scinder. Cours fait nommer. Et à partir de là, on va mettre en ralenti notre fameuse vidéo. C'est parti, vous allez voir, de toute façon, quand il va mourir. En plein vol. Donc si vous voulez encore enlever le bruit des armes, tout simplement, bah vous faites volume du clip et vous le baissez au max. Vous voulez partir et vous voulez sauter. Voilà. Ah, ça a coupé les gars, j'ai eu un écran noir, je sais pas ce qui s'est passé. Regardez. Au ralenti, bruh. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour ma part, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Sauvegarder la vidéo et quitter. Ouais, quitter son. Voilà. Bah écoutez, les gars, c'est la fin de cette vidéo tuto. Ah, ça coupe, les gars, je sais pas pourquoi. C'est mon HDMI qui bug. Mon HDMI que j'ai mal branché. Donc écoutez, voilà, c'est simplement la fin de cette vidéo. Voilà. Comment vous expliquer à faire des montages sur ce logiciel Share Factory. Après ça, les en direct de PlayStation. Ouais, bah c'est ok, non. Ok. Bah écoutez, bah voilà. C'est la fin, on a fait tout le tour. Mes projets, ma galerie, nouveaux projets. Bah écoutez, bon, on a fait le tour. Écoutez, moi je vous laisse. Ciao, ciao à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Montage. Voilà. Comment utiliser ce logiciel. Je répète, c'est un logiciel qui est sur PS4. Non pas sur d'autres plateformes, ni sur PC, voilà. Donc voilà, moi je vous laisse, ciao ciao à tous, c'était Flo, merci, à plus, ciao.